Bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le journal Créole nous à Soya. Mes différents points d'appui pour développer un grand journal. Plateforme politique Vérité retire col dans la course électorale. Dirigeants ont estimé Vérité ses principales victimes. Des ordres qui étaient faits dans le processus là, ils croient qu'ils mènent le pays dans l'instabilité et la dictature. Unité centrale renseignement financier Ukraine gagne un directeur tout neuf, Mario Mayas, installé jeudi dans le poste là, côté remplacé Joseph Dominique Bagui-Difis. Gouvernement Paul Matelier remplacé deux ministres qui étaient démissionnés, Victor Benoît et Yves Rose Moquette. Ariel Henry, ministre qui était ministre intérieur, pour occuper poste ministre Affaires sociales et Travail, il remplacé Victor Benoît. Et puis dans quelques minutes encore, sélection haïtienne football pour aller croiser avec sélection Grenade dans le stade Silvio Cator. Match aller Haïti était battu sur un score 3 goals à 1. N'a prend une pause, n'a tourné pour développement journal là, restez branchés. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause là pour développement journal là. Merci d'avoir été branché Télésignal. Il y a pas semaine qui fête dans le gouvernement Paul Matelien d'après un arrêté présidentiel qui sorti dans la date 7 septembre passé. Décision s'apprend après démission plusieurs membres dans le gouvernement. Dans ce sens, citoyen Ardouin Zéphirin remplacé Ariel Henry dans le ministère intérieur et collectivité territoriale. Citoyen Ariel Henry remplacé Victor Benoît dans le ministère Affaires sociales et Travail. Citoyen Gabriel Hyacinthe remplacé Yves Rose Moquette dans le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes. Et puis Jean-Wilson Timothée remplacé Mozart Clérisson, secrétariat d'État Alphabétisation. L'autre nouvelle, Mario Mayas s'est installé jeudi 8 septembre comme nouveau directeur général Unité Centrale Renseignement Financier UCREF. Monsieur Mayas, qui gagne 6 années depuis le travail dans l'institution, a remplacé Joseph Dominique Bagui-Difis. Ministre de Justice et Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, qui a fait l'installation, a expliqué directeur tout neuf UCREF, a gagné bon genre d'expérience pour aider le gouvernement à continuer la bataille, à mener contre le blanchiment d'argent. Plus de détails dans le micro, Pierre-Lunico Evange avec Max Joseph. Monsieur le directeur général, je sais que votre connaissance du secteur bancaire dans lequel vous avez travaillé pendant 30 ans a toujours été et sera encore un avantage pour l'UCREF. Cette institution, en raison de sa mission, est appelée à être constamment en contact avec ce secteur. Je sais aussi que votre disponibilité a maintes fois aidé dans le suivi des requêtes venant notamment de la direction centrale de la police judiciaire. J'espère que votre accession au poste de directeur général va vous faire redoubler d'ardeur et de courage pour mener une lutte sans merci contre le blanchiment des avoirs. Vous trouverez notamment, à travers la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs, des partenaires et des collaborateurs très imbus de la question et très conscient des défis du secteur. Je souhaite que vous trouviez à chaque fois une collaboration franche et efficiente, que ce soit de la Commission nationale de la lutte contre la drogue, que ce soit aussi du côté de l'Association des professionnels de banque et de toutes les institutions connexes. Soubopal, directeur Tounèflan, remercie le chef de l'État qui choisit pour occuper pour ça. Pendant le bail garanti, il prend le travail dans la tête collée avec l'employé institution dans l'idée pour y arriver bail plus bon résultat. En écoutant déclaration dans le micro, Pierre Lunico Evange avec Max Joseph. 30 ans de carrière dans la finance et 6 ans en tant que directeur des opérations et directeur général adjoint ici à l'UCREF, j'entends intervenir de façon énergique et responsable pour ne pas décevoir les attentes de ceux qui m'ont aujourd'hui confié ce poste. Je profite donc de cette opportunité pour lancer un appel pressant à tous les concernés en tant qu'institution et acteur dans la lutte contre le blanchiment des avoirs pour leur collaboration intelligente et soutenue, notamment le secteur financier. Mes chers collaborateurs ici présents, je veux partager avec vous tous
ici ce moment. La mission principale de l'UCREF est d'empêcher l'utilisation du système financier haïtien à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. En conformité avec cette mission et pour atteindre nos objectifs, je compte sur votre collaboration la plus loyale pour relever ensemble ce défi, celui de remettre l'UCREF sur les rails afin qu'elle puisse reprendre son élan. Montant prochain enveloppe budgétaire pays d'Haïti est alloué 120 milliards de gouttes d'après ministre économie et finance Wilson Lalo. Budget a axé sur plusieurs gros programmes tant que développer infrastructure agricole. D'après ministre économie et finance Wilson Lalo qui était dans micro Wesley Antoine à Kwendi Henry. Nous besoin refaire budget sur base de programmes. Et l'un dit un programme, ça veut dire c'est un système d'activité qui peut impliquer plusieurs institutions de l'État. Là, c'est des pratiques qu'il faut qu'on installe parce que ça a demandé des changements dans l'institution de l'État dans lequel fonctionner. Mais tout au moins, année ça, nous prenons cinq gros programmes que nous allons laisser mettre de l'avant, qui peuvent impliquer plusieurs ministères. Et nous prenons programme Fala, nous mettons c'est le ministère d'Agriculture qui prend le leader sous lui. C'est vraiment développer les infrastructures agricoles. Et l'une des infrastructures agricoles, c'est faire maîtrise de l'eau, c'est assurer piste rurale, c'est mettre en place chaîne logistique, y compris pour mettre en place des outils pour faire transformation agricole et connexion et production producteurs avec marché, y compris à l'international, pour nous exporter le cas échéant. Et c'est pour ça que nous-mêmes recrutons une experte qui sont aux États-Unis, qui pour justement travailler avec filières que nous avons encadrées et aider Mounio pour nous changer façon de faire commerce. Et cinq programmes, c'est la maîtrise, c'est les infrastructures agricoles. Et il y a une adoption politique de nutrition, parce que pour infrastructures agricoles, il y a une pertinence. L'homme fin mette système d'irrigation, etc. Il faut m'assurer que la production va augmenter, donc productivité espace va augmenter. Mais comme il y a plus de production pas gaspiller, il faut faire transformation production. Et quand là, ou bien il faut faire un marché pour me déverser rapidement. Parce que si vous dites que vous allez faire un pile de tomates, et puis vous allez faire 6 tomates, vous allez faire 1 million de tomates, vous allez plus pauvre avec 1 million de tomates qu'avec 6 tomates. Parce que vous venez en pile de tomates, mais pour te faire, vous êtes obligé de prêter comme vous avez un monde qui avec vous, et vous ne pouvez pas vendre tomates, mais vous venez à des prix trop petits à cause de trop de tomates, prix de tomates viennent diminuer. Donc il faut que nous aidions Mounio, conserver produits ça, faire transformation produits ça, jouer un marché qui est intéressé à produits ça, pour que vous n'ayez pas de gaspillage. Ministère économie et finance organise un atelier jeudi mardi sous question bol en mer en Haïti par rapport à la menace environnement représentée. 77 magistrats et responsables DGI dans la commune qui débouchaient sur la mer participaient dans l'atelier ça. Permettre responsables ça yo puis bien gérer bol en mer et puis conscientiser population sous question ça, c'est un objectif atelier ça d'après ministre économie et finance Wilson Lalo qui était dans micro Wesley Antoine à Kwendi Henry. Donc ça nous besoin faire aujourd'hui, nous avons besoin faire nous comprendre que bol en mer sont ressources liées, mais c'est pas une ressource pour nous privatiser, c'est une ressource collective que liée. Et là nous tout travail pour nous protéger, c'est bon pour tout le pays. Aujourd'hui alors prendre des petits pays tant que Jamaïque ou bien même Pipiti encore, Saint-Kitts et Nevis sont bon de petits pays. Principale ressource c'est tourisme. Et tourisme acheter sur qui ça sous plage. Moi t'ai invité nous à aller dans zone ça pour nous regarder chaque plage mon yo. Et où il n'y a pas de plage, et pour te recevoir pile touristes, parce que touristes, première ressource qui est intéressée, c'est d'abord que les gombons en mer que nous regardons. En Haïti, nous sommes chargés avec ça, mais nous mal exploités. Et donc, vous remarquez, nous voulons faire tourisme pour nous développer. Des pays, seul pays qui a un problème vraiment dans la région, c'est Cuba. Mais en pile pays dans la zone, c'est que nous n'avons pas de plage par rapport à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous gâtons ça, il faut nous travailler sur lui pour nous faire le vintourner en ressources. Et pour ça, il y a des législations qui sont faites, il y a des communications qui sont faites, et il faut gagner une police qui occupe de l'environnement et qui pourra traiter justement de questions de plage. On fait ça pour créer un pile de job pour des jeunes qui habitent bon en mer, mais en même temps qui pour éviter que moun pa chita a développé des activités qui nuisibles pour eux-mêmes pour l'avenir, même si jodi a profité de lui, mais après demain il y a nuisible pour eux et nuisible pour la collectivité. C'est ça qui fait que jodi a nous invité 77 maires qui sont dans 77 communes qui ont une ouverture sur la mer, nous inviter responsables DGI qui sont dans la zone ça, et c'est eux qui sont dans la salle, bondé de monde, nous inviter les gens qui ont un hôtel tout venir là pour nous parler avec eux, et nous inviter tout autre ministère qui est concerné par domaine, par question domaine public, et en particulier question littorale. Nous faisons venir pour nous faire un pile expert venir parler avec eux, expliquer ce que l'autre pays fait avec littoral par eux.
Plusieurs mesures pour le prendre pour permettre l'État de gagner un plus bon contrôle sous Bolan Mayan. Parmi mes essayants, le gouvernement pourrait le mettre en place un cadastre spécialement pour Bolan Mayan, d'après le secrétaire exécutif du comité interministériel pour l'aménagement territoire, Michel Auriol, qui était dans le micro, Wesley Antoine, à Quincy Henry. Et puis, notre deuxième étape, nous pourrions être capables de faire un cadastre sous littoral, là, donc sous une profondeur de 200 mètres, côté que nous pourrions être capables vraiment d'identifier qui est-ce qui est sous l'espace. Ça appartenu à l'État, ça pas appartenu à l'État, et régulariser la situation, ça a passé dans l'espace. Ça. Il y a l'autre ministère qui est très impliqué dans la question, hein, c'est le ministère de l'Environnement. Côté que là, tout de suite, nous prenons un atelier sous question environnement et littoral. Comme nous connaissons pas quatre problèmes, nous avons pas quatre de plages qui disparaissent. Nous avons une plage qui est un port salut qui vraiment, et avec les années, nous perdons un pile sable en Port-Salut et Port-Salut menacé de disparition. Donc, on a l'autre série de décisions qui prend avec le ministère de l'Environnement pour voir comment que nous allons gérer la question de l'érosion côtière. Ou on ville quand on ville au Caï, c'est le même problème dans tout. Ça veut dire que chaque année, la mer poton mosso dans la ville, ça allait. Donc, toute question ça, on va voir très précisément qui démarche qui pour faire pour gérer question ça. L'autre nouvelle plateforme politique vérité annoncé li retirer col dans processus électoral là d'après ça nous li nan une note dirigeant plateforme non mettez d'ailleurs journée mardi 8 septembre 2015 là. Dirigeant yo estimé plateforme vérité c'est principale victime des ordres qui fait dans processus là. Yo croit qu'ap mener pays dans instabilité et dictature. Plateforme vérité exige bon yon bon KEP pour capable organiser élection en de pays, hein? Toujours d'après ça, nous li nan yon note, qui pote signati Génard Joseph, coordonnateur général plateforme Vérité. 8 septembre 2015 l'an marqué journée internationale alphabétisation qui célébre en baptême alphabétisation et développement durable. Pour commémorer date l'an, en Haïti, secrétaire d'État pour alphabétisation organise yon activité dans yon hôtel dans Pétionville. Plusieurs membres du gouvernement, représentants de la communauté internationale et protectrices citoyennes étaient présents. En suite déclaration, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, Mozart Clérisson, et ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui était dans le micro, Michel Alexis et Ephésie Mathieu. Nous-mêmes, dans le bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation, pour célébrer 49e journée, nous avons choisi le thème. Ça. Qui sortit dans matrice existence pays a dans ça après les lignes fait la force là nous dit on pote coller pour un Haïti sans analphabet. Le président UNESCO a dit lui nous pas capable river dans développement l'en gagner en pile monde non gros pourcentage population qui pas qu'on lit qui pas qu'on écrit. C'est un thème nous choisi un gens pour nous capable attirer attention toute couche dans divers secteurs dans la société, sous nécessité qui gagne pour être capable de m'accorder tout ça comme compétence et connaissance pour nous mettre un bout dans la cause qui n'est pas bon en Haïti, puis faut que les pas qu'on lit et pas qu'on écrit dans la société, pas nous. Là, on parle de l'alphabétisation, là, on parle de la créole, il y a presque une ouverture dans le coussin bagaille. Ces réparations sociales qu'il a fait pour nous quitter derrière. Son vision paternaliste qu'il a gagné pour aider des gens qui n'ont pas trop de moyens. Apprendre tout haïtien qu'on lit à qui écrit bien, ce n'est pas la charité, ce n'est pas la réparation sociale. C'est investissement pour le pays à faire progrès. Alphabétisation, c'est un droit fondamental, Jean-Charles Douamounan explique ça, d'après représentant UNESCO en Haïti. Paul Gomis déclarait alphabétisation, c'est base société, hein, capable de transformer le monde, changer les conditions de la vie. Lité dans le micro, Michel Alexis et Ephésie Mathieu. L'alphabétisation est une nécessité primordiale pour que ce soit atteint l'un des objectifs de développement durable proposés, à savoir une éducation de qualité inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Le contexte est campé. Pour l'UNESCO, l'alphabétisation n'est pas un phénomène,
de passage. Certains doivent le savoir, il existe au sein de l'UNESCO ce qu'on appelle l'institution de l'apprentissage à vie et qui est basée à Hambourg, dont le rôle est précisément d'accompagner les efforts nationaux, et internationaux en matière d'alphabétisation. Revenant au sujet d'aujourd'hui, je dirais, au propos qui m'a été demandé de faire quelques remarques sur l'alphabétisation et société durable par le secrétaire d'État à l'alphabétisation, je dirais que l'alphabétisation est un droit humain fondamental tel qu'inscrit dans l'article 26 de la Charte des droits de l'homme. Et il est la base de l'apprentissage tout au long de la vie, et donc un facteur du développement social et humain. Et elle permet de transformer les vies des individus, des familles et des sociétés. C'est un instrument d'autonomisation qui améliore la qualité de la santé, les conditions de vie, les revenus des individus et des sociétés. Fatra qui occupait plusieurs rues dans Pétionville représentait une menace pour la santé population. Malgré un pile mesi, autorité commune a été annoncée pour gommer contre phénomène ça, mais situation a toujours paraît compliquée, ça qui crée un pile embouteillage. En suivant un reportage avec Ludmilla Marc à Kivon Seyid. Nous demandons toute machine pour yo s'il vous plaît balaouya. En attendant que nous joignent une solution. Nous dit marchandise depuis ces marchandises qu'il en la rue y a saisi. Nayon ton ferme, li te bay avertissement dans cadre lancement Carifesta 12 dans mois d'août passé à dans pays d'Haïti. Depuis les ça en est pas fait. Si n'a suivre ça qu'a passé dans quelques rues dans commune Pétionville. En pile marchandises installées dans mitan la rue ak sous trottoir yo mélangé ak pile fatra qui empêchait circulation machine ak piéton fait. Mettez sous ça machine trafic tant coup privé stationné n'importe qui jeune dans la rue. Sorti rue Lambert, passé bord ancien cimetière pour tomber dans rue panaméricaine, situation n'a pas changé. Différents mesures autorités municipales ont été annoncées pour résoudre mauvais image ça dans Pétionville, toujours pour caractériser. N'entend ça, ti machin qui fait partie secteur informel là continue à prendre place dans mitan la rue et puis saleté à prendre plus en plein dans Pétionville. Pour bailler une bonne image à commune, responsable mairie Pétionville doit faire plus action dans place parole. Pétionville n'a tant longtemps été réputé comme commune qui propre dans zone métropolitaine Port-au-Prince-là. Un constat qui est différent journée aujourd'hui. Dans quelques minutes encore, sélection haïtienne football là pour aller jouer contre sélection Grenade là dans stade Silvio 14 dans cadre éliminatoire mondial 2018 pays Russie a organisé. Plusieurs joueurs dans l'équipe là dit yo paré pour aller racher qualification yo sous équipe Grenade là. Pascal Milien et Belfort Kervens fils, c'est deux parmi là-dedans yo qui t'ai parlé dans micro Wesley Antoine à Kondi Henry. Esprit de l'équipe là nous prêt, on va nous prêt pour une bataille et on va c'est un jour le match lié, son jour de garder son jour et on est capable pour tout footballeur, on prend c'est jour qui est content lié, on a chance pour aller et toute sorte prendre pendant semaine yo pour exprimer au soutien sur un terrain de football, c'est une déclaration bonjour, je pense que l'équipe là est prête pour la bataille. Dans l'esprit pas nous que nous connaissons que nous ouais, mais normalement nous te fait ça qui est essentiel là, c'est là que l'équipe là a le bon résultat qui était gagné, nous fait ça qui est essentiel là et puis quand nous venons là nous mais quand nous gagnons connaît que il y a venir il va venir juste pour jouer football, il va venir tout pour capable et je ne bagarre mais nous-mêmes nous prêts à 100 on te dire à 110% que pour nous mettre plus toujours raison parce que nous là nous un et nous grand peuple captain nous et qui soif nous et nous-mêmes nous pral baio et nous pral goumer pour nous bailler au résultat que peuple a besoin normalement. Bon, mais nous conscients des qualités qui gagnent maintenant en groupe là et ça je pense que c'est pour la première fois une équipe haïtienne de football gagne au moins 23 joueurs et qui sortent à l'étranger qui viennent représenter le pays et nous voici à sous ça et y a dit que nous c'est meilleure génération ou bien pas connait mais nous même mais nous connait nous gagnons un rêve c'est progresser avec les générations ça. Et puis pour nous, si nous sommes capables de quitter un bagage, mais pour payer, parce que depuis les nos fêtes, nous avons dit c'est 74, et monsieur 74, je ne parle pas, mais nous avons toujours été. Mais nous même tout, mais nous avons nous fini. Et dans la carrière, nous avons toujours été. Nous avons dit nous pourrions aller à Grenade, et nous pourrions prendre une qualification depuis Grenade, bien que c'est sur le papier nous prenons. C'est ça pour qu'on fait, c'est Madjodia qui pourra confirmer que nous qualifier.
Et je pense que je dis, c'est pour le public là, c'est pour le public là, et qui derrière nous et tout le temps, même les sabons, même les sabons, ils sont toujours là. Et je pense que je dis, c'est match pour venir fêter avec nous. Et je dis, match à champagne, match à gâteau, parce que je dis, c'est fête là, qu'a fait même dans ce stade là. Maintenant, fait fête là dans la concentration. C'est le moment pour nous présenter la page météorologique du journal là, avec collaboratrice nous, Slène Séjour. On suit. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Météo pour jeudi mardi 8 septembre 2015. Nous sommes capables de remarquer sur tout le territoire haïtien. Température n'a pas monté qui était 27 degrés et l'IPAP descend qui était 20 degrés. Nous sommes capables de commencer avec ça. Tout d'abord, nous sommes capables de commencer avec Port-au-Prince. Température là à 24 degrés. La fait bon, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse qui a avoisiné 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 26 degrés. Nous avons un ciel éclairci. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction est avec une vitesse 18 km à l'heure. Au Caï, température là à 25 degrés. La fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel chaud, éclairci et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 18 km à l'heure. Jacques Mel, température là à 27 degrés. Nous avons un ciel plus ou moins clair. Nous avons possibilité pour nous gagne l'appui avec orage. A gagne une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Jérémy, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon. N'a gagne un ciel éclairci chaud et humide. Nous gagne possibilité pour nous gagne l'appui avec orage. A gagne une bonne brise qui prend direction l'ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Gonaïve, température là à 24 degrés, la fait plus ou moins bon. N'a gagne un ciel peu nuageux, nous gagne possibilité pour nous gagne orage. A gagne une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 11 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 21 degrés, la fait bon. N'a gagne un ciel nuageux, nous gagne possibilité pour nous gagne l'appui avec orage. A gagne une petite brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 11 km à l'heure. Hench, température là à 22 degrés, la fait bon. N'a gagne un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 6 km à l'heure. Port de Paix, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui. Nous avons une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Miragouane, température là à 24 degrés, la fait bon. N'a gagne un ciel peu nuageux. Nous avons possibilité pour nous gagner orage. N'a gagne une très légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 7 km à l'heure. N'a dit tout capitaine voilier qui dans zone côtière nord et sud que y a gagne la main peu agité, n'a dit au vigilant quand même et n'a dit tout capitaine voilier qui dans golfe de la Gonave que y a gagne belle la main à soya. Après cyclone Erika, gagne un nouveau cyclone dans Atlantique là qui c'est grâce. N'a dit tout le monde pour rester branché télé signal pour arrêter au courant de trajectoire cyclone ça. N'a dit tout le monde pour faire prudence pendant saison cyclonique là. Matin un soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 6h59. Le proverbe du jour, deux yeux contrés, menti kaba. Merci tout le monde qui t'a suivi bulletin météo pour jeudi mardi 8 septembre 2015. N'a dit tout le monde au revoir, à demain si Dieu veut. Merci Slène, c'est la journal l'arrivée dans Boutli avant d'aller rappel titio. Plateforme politique Vérité retire colle dans course électorale là, dirigeant yo estimé Vérité ses principales victimes des ordres qui fait dans processus là. Le point cap mené pays en instabilité administrative. Unité centrale renseignement financier Ukraine gagne un directeur tout neuf. Mario Mayas installé jeudi en dans poste là pour remplacer Joseph Dominique Bagidifis. Gouvernement Paul Matelier remplacé deux ministres qui étaient démissionnés. Victor Benoît et Yves Rose Moquette. Ariel Henry, ministre qui était intérieur, pour occuper poste ministre Affaires sociales et travail, lui remplacer Victor Benoît. Et puis dans quelques minutes encore, sélection haïtienne football là pour croiser avec sélection Grenade dans le stade Silvio Cator. Match aller Haïti te battu sur un score 3 goals à 1. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'ap kase rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole. Sous Télé Signal, restez branchés.